initié en 2010 par la ville de Bron suite à une exposition de peinture avec ses villes jumelées, le premier forum jeunes européens est le fruit de 2 ans de préparation. Mais au fait, c'est quoi le jumelage? Juste un panneau à l'entrée de la ville? C'est au début des années 70 que Robert Tournier, à l'époque adjoint à la ville de Bron, met en place le jumelage avec la ville allemande de Grima. 40 ans plus tard, ces deux villes sont toujours unies et n'oublient pas leurs engagements mutuels. Devant une salle comble et dans une ambiance conviviale, elles ont naturellement renouvelé le jumelage au cours d'une cérémonie dans laquelle Monsieur Robert Tournier a justement été mis à l'honneur. Aujourd'hui, la ville de Bron compte 4 villes jumelées. Ils sont espagnols, écossais, allemands, français, mais avant tout ils sont européens. Du 1er au 10 septembre 2012, une trentaine de jeunes venus de Bron, Cambernau, Talavera de la Reina et Weingarten ont investi la ville pour le premier forum jeunes européens. L'occasion pour ces jeunes, de 18 à 24 ans, d'échanger, de partager des moments conviviaux et de découvrir la ville de Bron. La visite du centre chorégraphique Paul Pic, dirigé par Mourad Merzouki, a été un des moments forts de la semaine. Pour organiser le forum à l'espace Albert Camus, les jeunes ont participé à des ateliers à la MJC de Bron pour préparer les 6 tables thématiques avec l'équipe de la Cyberbase. Ils ont pu couvrir eux-mêmes l'événement grâce aux ateliers médias organisés par l'association Esprit Critique, se transformant ainsi en jeunes reporters le temps d'une semaine. Leurs productions multimédia ont été valorisées sur le site internet du Lyon Mondiblog et grâce à un journal papier produit lors du forum. Les moyens de communication actuels permettent-ils de vous sentir plus européen? Comment mettre en place une nouvelle génération de jumelage? Comment s'engager ensemble dans une action au niveau européen? Le public, composé de collégiens et de lycéens, est resté attentif aux thèmes abordés et a pu débattre avec les jeunes des villes jumelées. Une expérience à refaire. Listening to the radio, the only mode I know is a stand.